Alors, c'est quoi ? Oh merde ! Qu'est-ce qui se passe ? Hein ? C'est Pierrot. Pierrot ? Ça va ? Oui. Hey, regarde-moi ça. Trois employés municipaux, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Ils pourraient faire leur boulot quand même. On va s'arrêter de dire bonjour. Ouais, j'ai des devoirs pour demain. Ça sera pas long. Ah, tu viens ? Oh, ça fait plaisir de te voir. Ouais, merci. Salut. Regarde ça. Regarde-moi. Devine. Le chien s'est mis au fer, j'appelle Romain, il est bien 100 000 euros. Je suis monté. Ouais, non, moi j'étais en bas, j'ai lâché les chiens en bas. Et puis en haut, il y avait Romain, il y avait Maxime. Bon, ça va ? Salut ? Ça va ?
c'est qui a tiré pour l'instant, moi je tire en bois. Ça va mon neveu? Oui. Tu viens pas avec nous? Ça fait rien. Hein. On pourrait monter plus souvent au village. On pourrait chasser ensemble. J'ai pas le permis. Tu viendras avec moi, je t'apprendrai. Ton père, c'est un sacré chasseur. C'est dommage qu'il ait pas repris après le deuil. Il était tellement fier de toi. Mon fils. Elle disait toujours mon fils. J'aimais Pierrot. Tu te souviens? Non. Je peux te parler? Putain de maladie. Vous pouvez pas faire plus. C'est comme ça. Voilà. Tu te fous vraiment de ma gueule? Qu'est-ce qu'il a? Le loup, deux attaques cette semaine. Quoi? Il se planque au-dessus des alpages et hop. Ouais, je comprends. Ouais. Ouais. Ouais, salut. Ça me fait plaisir. Je passe une heure cette semaine. Bonsoir. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger si tard, surtout un dimanche, mais j'ai voulu démarrer ma voiture et rien du tout. Ça vous embêterait de jeter un coup d'œil? Non, 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 bien sûr. Je ne me serais jamais permis de vous déranger, mais démarrer un rendez-vous très important, alors je ne peux pas me permettre d'être en retard. Pierrot? Pierrot? Tu peux rester un moment avec la mère de Madame Torres? C'est gentil. Maman, es Piero. Se va quedar un ratito contigo, ¿vale? T'es sûr que ça te dérange pas? Non, non. Mais c'est gentil. Tu sais, elle t'apprécie beaucoup.
va, t'as passé un bon week-end? Ouais. Il y a mon cousin à la maison, là. Le champion? Ouais, il m'a montré une contre-attaque foudroyante, mat en 6 coups. Faudra que tu montres. Ouais, tu me donnes combien? Ouais, non, mais c'est... Je déconne, Thiro. Bisous à la récré. Salut. Je crois que je vois des photos de mon chien. Là, je me sens pas bien. Ça me... T'exagères. C'est un chien. C'est pas autre chose. C'est pas les deux. Enfin, je suis avec lui. Enfin, tu vois, forcément, quoi. Le meilleur moyen pour pas être triste, c'est pas avoir Bex. Parce que ça, tu souffres pas quand il meurt. Mais je l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi. C'est mes parents qui avaient un chien. Tu fais un transfert, hein, quand même. Mais je suis pas. On choisit rien. De toute façon, il y a un barbecue et tout. Tu vois, on fait un meeting. Regarde. On va discuter des salaires et tout. Ah, super. Ah, Thiro, au fait que j'ai le dos tourné pour se mettre une mauvaise graine. C'est comment ça, il faut les coincer au début. Hein. Après, ils ont des emprunts sur le dos. Ils me viennent dur de la feuille, hein? Bon, on doit dimanche? Ouais, faut tourner dimanche. Ouais. Amène ta femme et tes gosses, hein. Oh putain, ça chlingue ici! Oh. C'est pas les chiottes, c'est Pierrot. Hein, Pierrot? Son père bosse aux poubelles, alors forcément. T'as pas remarqué, il y a toujours des mouches qui tournent autour de lui? Oh putain, mais ouais! Oh, regarde l'énorme! Mais elle est vraiment grosse, hein. Allez, casse-toi pour respirer un peu! Ouais, c'est ça, dégage! Débouchez ou quoi? T'as dit dégager, allez, vite! Au trou, un peu là! Allez, bouge! Non, mais franchement! Ah, tu prends ton temps ou quoi? Bon, vous dépêchez là! Alors, tu veux quoi? Dis ici. La thune. Rebarre-toi, vite. Enfin, reconnaissant que Buck ne lui voulait pas de mal, la bête s'arrêta et laissa le chien lui flairer le museau. Sur quoi ils devinrent amis et se mirent à jouer ensemble, de cette façon nerveuse et timide qui semble démentir la férocité des bêtes sauvages. Quelques instants plus tard, le loup se remit en marche, d'une allure aisée, indiquant un but définitif. Il fit comprendre à Buck qu'il devait l'accompagner, et côte à côte, ils se mirent à courir dans la pénombre. Ils suivirent le lit du torrent à travers la gorge aride qui lui donnait naissance. Et sur le versant opposé de la cascade, ils atteignirent une contrée de plaines et de forêts étendues que traversaient de nombreux ruisseaux. Buck était infiniment joyeux. Il se sentait répondre à l'appel. Les souvenirs anciens lui revenaient en foule sur cette terre vierge et sous ses cieux immenses, tandis qu'il courait aux côtés de son frère le fauve. Quelqu'un veut réagir ? Ça ne vous inspire rien? C'est beau, madame. Oui, c'est beau. Et sinon? Quelle est la différence entre un chien et un loup? Oui. Un loup, c'est plus fort. Ah bon? Le loup, c'est un animal sauvage? Oui, ça signifie quoi, sauvage? Méchant. Pas forcément, un chien peut être éduqué par l'homme pour être méchant. Abdou, t'as quelque chose à dire? Non, je pensais au pitbull de mon voisin. Non mais ne riez pas. Ce serait quoi la différence alors entre un pitbull et un loup? C'est trop là un pitbull. Ouais. Mais enfin, un pitbull a été sélectionné et dressé pour être agressif, alors qu'un loup lui attaque seulement pour se nourrir ou pour se défendre. Alors sauvage. Personne ne sait? Sauvage, c'est un peu comme toi, non? Eh bien, au départ, sauvage, ça signifiait qu'il vivait dans les forêts, par opposition aux hommes qui vivaient dans les clairières, justement pour échapper aux animaux sauvages. Oui. Mais les champignons, c'est des animaux sauvages? Sauvage, ça signifie qu'il vit loin des hommes, qui n'a pas été dressé par l'homme.
Mais si on en revient au texte de Jack London, on peut trouver d'autres mots qui ont le même sens. Pensez par exemple au quotidien de Buck, obligé de tirer son traîneau sous la menace du fouet. Libre. Oui, Pierrot ? Libre. Oui, libre. En tout cas, c'est l'intention de Jack London. Buck découvre la liberté. Ouais, ouais, c'est drôle, c'est drôle. Quelqu'un pour accompagner Vincent ? Pierrot ? Pardon ? C'est moi le gros bouffon. Ouais. Tu te fous de ma gueule. Ouais. Va pleurer Vincent, chez ta mère au lieu de nous faire chier avec tes conneries. Là. Vincent, ça suffit. Va bouffer des crottes de nez. Pas de vulgarité dans mon cours. Vincent, tu sors. Ouais, ouais. Bon, reprenons. Ça te plaît ce bouquin ? Le bouquin de la prof là, avec le chien. Oui. Qu'est-ce qui te plaît là-dedans ? Je sais pas, j'aime bien les livres avec des aventures. Tu préfères pas les films ? C'est pas pareil. À mon avis, t'as rien pigé au bouquin. Non, pourquoi ? Tu l'as eu ? Pas besoin. T'as compris quoi ? Ce qui est sûr, c'est que t'es pas un loup. Et si t'es pas un loup, c'est que t'es un chien. Seconde, oh oui, c'est dans la tête, une espèce de dépression chronique, je vois pas autre chose. Flet, toi. Ma grand-mère, quand okay, elle était en... Écoutez, on s'en fout de votre grand-mère. Les cochons sont très intelligents et plus facilement adaptables que la plupart des animaux domestiques. Cependant, leur association... Arrête ça à marcher sur les pandas chinois. La télé pour un cochon. Bon, on n'est plus à ça près, hein. Puis si ça marche pas, on pourrait lui faire venir des stripteaseuses. Hein. Tu ris moins qu'avant, toi, ou c'est une impression ? Non, je crois pas. Bah, quand t'étais petite, t'étais vraiment ailleurs. Hein ? Tu viens pas au clair de la lune, j'ai pété dans l'eau, ça faisait des bulles, c'était rigolo. Ma grand-mère arrive avec un couteau, elle me coupe les fesses en quatre mille morceaux. Bon, ça va, alors. Les grands du village, ils l'ont vu le spectacle vivant, directement pour les pandas. Le panda se détend, il est bien. Maman. Maman.
C'est nous ici. Alors si tu veux pas t'en prendre plein la tronche, t'arrêtes de vendre tes crottes de nez, ok? Ouais, ok, c'est cool. T'inquiète, moi c'est juste pour m'amuser, pour m'arrêter. Pourquoi t'as pas plutôt te branler dans les chiottes, ça t'occupera. Ouais, cool, c'est cool. Allez, on se casse. Salut Pierrot. Je fais un blitz. J'ai presque fini. Échec. Mat. Game over. T'as vu? C'est le mat de Le Gall. Je te laisse les blancs. Tu t'es pas échauffé. Prêt? C'est parti. Bouge engin ? Non, non, fini le travail. Vous avez bien fait chier le monde, maintenant vous dégagez. Oh ! Vous dégagez, vous caletez, vous vous tirez. Pardon ? Je comprends pas ce que vous dites. Peut-être il faut parler un peu plus poliment. Attends, tu me prends pour un con ? Je te parle ? Tu veux jouer au plus malin, c'est ça ? Bon. On va pas s'énerver, vous dégagez, et moi j'oublie le temps précieux que vous m'avez fait perdre, ok? Tu sais pas qui je suis, toi? Mais je m'en fous de qui tu es. Moi j'aime pas que tu manques de respect aux travailleurs. Respect aux travailleurs? Mais t'es pas un travailleur, t'es juste un emmerdeur. Ok, ça va. Dégage! Bozo, si je veux, je te casse les deux bras. Hein? Y'aura personne pour me le reprocher. Ça fera juste chier que tu glandes aux frais de la sécu. Je peux aussi passer un coup de fil, demain t'es au chaume du. Monsieur, je bouge l'engin, ok? Ça va. La chier! Pardon? J'ai pas bien compris, là. Minable. Je
vais te pourrir, je vais te pourrir. Putain, je vais te faire quoi? Je vais te pourrir. Tu vas comprendre. Je vais te montrer, moi, comment on parle à un homme. Je vais t'apprendre, moi. Je vais te tuer. Je vais te défoncer. Arrête, papa. Je vais te faire péter la tronche, enculé. Tu vas demander pardon à genoux. À genoux. Merde, ça va aller. Exploser la gueule! Ça va pas, non? Tu ronges ça tout de suite! Mais c'est n'importe quoi, tu ronges ça! Mais j'appelle les flics! J'appelle les flics. Je te jure, tu me revois plus jamais. Tu penses à Pierrot? Ouais, justement, j'y pense. Ça va, mon fils? Drôle de journée hier. Oui. Écoute, t'inquiète pas, j'ai un peu pété les plombs, mais ça va. Hein? Le gars, je vais m'en occuper. Il va regretter d'avoir joué ninja avec moi. Et sans violence. Et sans colère. Faut aussi qu'on parle de Mme Torres. Enfin, de Cécilia. T'es pas obligé. C'est un peu brutal comme manière de l'apprendre, non? Qu'est-ce que t'en penses? Rien, je peux pas rester seule. Serge, ça va? Ça va. Ça va bien. Ça fait même longtemps que je me suis pas senti aussi bien. On est avec toi. Je vais me battre! Parce que ma cause est juste! Serge, je pense pas que t'en fais un peu trop mal. Hein? En même temps, t'as raison. C'est tous les jours qu'on se fait emmerder par ces colères. Ouais. Ah oui, c'est tous les jours qu'on se fait emmerder. Regarde, la semaine dernière à la Croix-Rousse. Ouais. T'as plus le choix, c'est vrai. Ouais. Et je vais aller jusqu'au bout. Mais il faut. Ça sera l'exemple. Il faut un début à tout. Hein. Moi, ça sera radical. Attends, c'est bon. Faut dire les choses. Salut, Francis. Ça va? Oui, ça va. Tu viens, on va voir Lucio. Tu sais, tu l'as vu l'autre jour, c'est le délégué syndical. Pour quoi faire? Ben, pour s'organiser. Ça peut pas rester sans réponse. Ça me regarde pas, Serge. Comment ça te regarde pas? T'étais là, t'as tout vu? Ce que j'ai vu, c'est que t'as déconné. Je pense pas que c'est ce que tu veux que je dise, si. Moi, j'ai déconné. Bah, t'aurais pu laisser pisser, non? Tu l'as pas fait. Moi, je sais pas pourquoi, ça me regarde pas, mais je viens pas avec toi, ça. C'est incroyable, ça. Je me suis trompé sur toi, t'es un dégonflé, c'est ça? Je te juge pas. Tu me traites pas de dégonflé, d'accord? Serge, mais tu délires! Je veux dire pas qu'on me respecte,
On respecte mon travail. Quand un chauffeur de bus se fait agresser, ses collègues se mettent en grève. Alors pourquoi pas ici? Mais tu t'es pas fait agresser, putain! Tu t'es frité qu'un connard, c'est tout! Je le crois pas, toi aussi? Quoi, moi aussi? Quoi? Tu veux me dire quoi, là? Fais gaffe, Serge, tu te prends la tête avec des conneries, tu sais que c'est toi qui vas m'enfler la fin, tu sais? Il est combatif, le délégué, hein? Pardon? Toi, tu vas me donner à moi des sons de syndicalisme? Hein? Tu participes quand ça te dérange pas trop, et là, pour toi, il faudrait déclencher une grève générale? C'est ça, ma gueule? C'est ça, le problème? Parce que je suis pas syndiqué? Non, arrête. Arrête, franchement. Serge! T'es pas un bleu, putain. Tu sais très bien qu'on peut pas faire péter une grève chaque fois que t'as un problème. Ouais. Sinon, on bosserait jamais. Ouais. C'est pas plutôt les relations du ninja avec l'adjoint au maire qui pose problème? Ok. Tu sors. Tu sors! Parce que c'est bizarre. Si c'était un gamin de la Duchère qui m'avait agressé, t'es sûr que tu réagirais pareil? Tu perds les pédales. Pense à ton monde, tu fais pas le con. Tu ne parles pas de mon môme, connard! Vous avez des éléments qui permettraient d'identifier l'agresseur? Non, pas des éléments, je connais son nom et son adresse. C'est monsieur Christian Desmarais, disquet du général Sarah, Union 6e. Christian Desmarais, le patron de la Fogetra. Voilà. Vous avez des témoins? Non, on n'aurait pas de mal à en trouver. Il y avait des passants, des riverains, il y avait un attroupement. Vous dites qu'il vous a fait une clé au bras? Ouais. C'était pour vous agresser ou pour vous maîtriser? Échec. Oui. Ah, dis-le. Échec. 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 T'as fait exprès? Non. Quoi, le matelas? Tu l'avais vu, prends pas pour un con, tu l'as fait exprès? Je t'interdis d'avoir une de tes qualités, surtout devant moi. T'as compris? Cinquième D. Et comment ça se fait que tu débarques maintenant? C'était pas prévu, un déménagement. T'as un prénom? Chloé. Moi, c'est Florian. T'es charmante, Chloé, on te l'a jamais dit? Position les plus... Hé, hey, Pierrot! T'as mangé de la merde ou quoi, ce matin? 1 et A. Oh, putain, j'en ai marre. Je vais demander pourquoi ils m'ont changé de place. C'est plus trop, ici. Ah, j'avoue. Putain, je suis absurde, là. Les petits trucs blancs, les boules. Ouais. C'est pas des poux? Oh, mais ça grouille là-dedans, Sandek. Ah, mais toi, tu pourrais quand même te laver les cheveux, là. J'en pense, c'est sexiste, quoi. En général, l'origine. Puis c'est quoi, ce t-shirt de moi? Tu piques les fringues à ton père? Tu restes là, d'accord? On va faire ton sac.
qu'est-ce qui s'est passé? Pierrot, j'ai besoin de savoir ce qui s'est passé. Je veux bien tout comprendre, hein, mais une bagarre en classe, ça n'est pas acceptable. Oui. Je peux récupérer mon... Oui, dépêche-toi. Allez, plus vite que ça. Bon, explique-moi, Pierrot. Je sais que tu fais des efforts et tes résultats s'améliorent, mais j'ai besoin de comprendre. Ça te ressemble pas de te bagarrer, il y a forcément une explication. Pierrot, si... Lâche-moi. Ça m'a bien plu comment tu l'attèges, la prof. Ben ouais, l'autre mytho de Kevin, il avait pas à te parler comme ça. Et la prof, elle avait pas à te traiter comme un gamin. Bon, sinon, tu fais quoi, là? Je ne peux rien vous promettre, mais je peux essayer d'intercéder en vue de vous faire obtenir une compensation pour préjudice. Mais il faut que vous retiriez votre plainte. Comment ça, une compensation? Dédommagement, peut-être. Mais là, je m'avance beaucoup, je ne sais pas. Je veux pas dédommagement, je veux des excuses publiques. Monsieur Fumaroli, ça me semble difficile à obtenir. D'ailleurs, quelles excuses publiques? En présence de la foule réunie ici même, place des Terreaux, comme autrefois pour les exécutions capitales. Écoutez, je comprends vos sentiments. Il ne s'agit pas de mes sentiments, il s'agit de principes. Alors, nous éloignons de la solution. Il faut que vous émettiez du vôtre. Tout ceci semble avoir eu pour vous des conséquences considérables, mais totalement disproportionnées. Et notez bien que votre insistance pourrait être interprété comme de l'obstination, y compris par vos supérieurs. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Pas sûr. La porte. Regarde bien ça. Quand t'as ça entre les mains, tu te sens un homme. Qu'est-ce que tu fous? Tu t'assois pas? C'est un porno? Non, non. J'aime pas les pornos. Allô? J'ai encore tout fait. Quand t'en as vu un, tu les as tous vus, non? Dans une... T'écoutes, Philippe, pour tes conneries, il est passé ailleurs. Mais vas-y, c'est... dégage, ferme-la un peu, tu me parles pas à moi, ta gueule! Tu te fous de ma gueule là, c'est une blague. Non mais arrête, tu te débrouilles là. Vous avez cherché un bout de pelle. Vous avez tout cherché un bout de pelle. Docteur. Docteur. J'ai un désistement. Ça te dit de faire des coups avec moi et Thomas, je te prends à l'essai. Des coups? On vole des trucs et on les revend. Pourquoi faire? Pourquoi faire?
Bah pour la thune. J'ai besoin de rien. T'es un marrant, toi. Bon, je te dis ça, mais en même temps, les cums qui voudraient taffer avec moi, j'en connais plein. Bon, je me casse. Tu viens? Salut. T'as ton deuxième casque? Au coiffeur. T'occupes. Les trucs qui valent de la thune. Le fric, les bijoux et le petit matos high-tech. Comment tu savais qu'il n'y aurait pas d'alarme? Ça, c'est le boulot de JB. Il nous balance des cibles, nous on casse et lui revend. Tiens, check un peu là, il y a des trucs. Tranquille, hein, j'aime pas. Au club. Les flics, ça sert à rien. En plus, ce type, il va savoir que tu veux pas lâcher l'affaire. Et là, ça peut se retourner contre toi. Hein. Je peux te faire rencontrer des gens. Des gens? Bah oui, des gens. Des gens qui rendent des services, qui ont des services. Des voyous? Des voyous. C'est quoi ce mot? Bah, je sais pas, c'est le mot juste. Je m'en fous, mais c'est ça que tu veux dire, non? Quoi? Rien. On va faire comme si t'avais rien dit. Savoir ce que tu veux. François, s'il te plaît, en souvenir de ta sœur, ne fais plus jamais ce genre de proposition. Comme tu veux. Papa?
J'ai entendu rentrer, tu vas bien? Il est pas là, ton père? Non. Je crois savoir où il est. Écoute, ça t'embête à rester avec ma mère pendant que je vais le chercher? Elle est dans sa chambre, elle dort. J'y reviens très vite. Allez. Mais t'es belle, toi, tu sais. Oui, c'est ça, allez. Non, mais c'est là. T'es une princesse. Ça va, oui, ça va aller, ça va aller. Hey, Pierrot. Pierrot, je peux avoir la clé, s'il te plaît? Je peux pas. Pierrot, regarde-moi. Je peux pas. Ah, mais c'est marrant parce que... Serge. Avant, quand t'étais petit, je me mettais à genoux pour être à ta hauteur. Mais c'est pas vrai. Serge. Et maintenant, t'es trop... C'est bon. Allez. Je vais lui dire un truc. Pierrot, je te jure qu'on va s'en sortir. Je te le jure. Serge. Tu sais, ça va aller, je t'assure. T'es mon pote. Serge, oh là là. Ah, oh, mon lit, c'est un tapis volant. Et le monde bouge dans tous les sens. Je suis désolée. C'est vrai. Tu peux venir à maman, j'aimerais qu'on se parle tous les deux. Tu veux pas t'asseoir? Tu veux quelque chose à boire? Non, merci. Il va pas très bien ton père, Pierre. Oui. Il t'a parlé de nous? De lui et moi? Oui, il peut pas rester seul. C'est une histoire sérieuse, tu sais. Mais je veux pas que tu croies que je veux prendre la place de quelqu'un. Ça va à l'école? T'as des copains, des copines? Une amoureuse? C'est vrai? C'est formidable ça. Pourquoi votre mère elle tire la langue? Oui, c'est nouveau. C'est bizarre, hein? C'est comme une sorte
réflexe. Maintenant, quand elles ont la présence de quelqu'un, elles croient que c'est pour lui donner à manger, alors... Elle cherche avec sa langue comme une girafe. Pierrot, si t'as besoin de me parler, je suis là, tu comprends? De cette baraque? Non, c'est une autre sur le chemin. Putain, mais fais chier ce connard de Thomas! On va pas l'attendre toute la journée. J'ai pissé. Ouais, c'est ça, va pisser. Parce qu'il a pissé, ces mecs. Christa, tu veux ma photo, toi? T'es un pédophile, c'est ça? Tu veux que j'aille faire un tour dans ta bagnole de merde? Tu crois que tu me fais peur avec ton uniforme de drag queen? Espèce de sous-merde, va! Tu me touches juste une fois, je porte plainte et tu te fais virer aussi sec! Mec, lâche-la! Tu vas regretter ce que tu fais. Qu'est-ce que tu dis? J'entends pas. Enfin, t'aimes ça les gâteaux, hein? Eh ben je vais te faire bouffer tes gâteaux. Tiens, bouffe! Allez, bouffe! Tiens! T'aimes bien les gâteaux? Allez, tiens! Et puis on se barre. Excusez-moi. Oui? La classe de 5e A, s'il vous plaît. Au fond du couloir, deuxième classe à droite. Entrez. Bonjour, monsieur Fumaroli. Bonjour. Pardon, là, j'ai de l'agression, les mains. Asseyez-vous, je vous en prie. Je vous ai écrit au sujet de Pierrot parce que je suis inquiète au sujet de son comportement.
Ses résultats sont en chute libre et son absentéisme est vraiment préoccupant. Je me suis renseignée auprès de mes collègues et tous ont fait le même constat. Vous avez reçu les précédents courriers qui vous ont été envoyés ? Quels courriers ? Je vois, je suppose que Pierrot a dû les intercepter. Vous allez bien, monsieur Fumaroli ? Oui. Il y a eu un incident dans la classe il y a quelques semaines, une bagarre. Une bagarre entre Pierrot et un de ses camarades. Et j'ai interrogé Pierrot, mais il a refusé de s'expliquer sur les raisons de son comportement. S'expliquer, ça sert à rien. Monsieur Fumaroli, vous êtes sûr que ça va ? Vous n'avez pas de problème particulier chez vous en ce moment ? Je comprends pas la question. Le comportement de Pierrot a changé brutalement. Alors je me demandais si un événement extérieur au collège... Sa mère est morte quand il avait 3 ans. Oui, je comprends, c'est terrible, mais je... Je suis pas sûre que ça puisse expliquer ce changement de comportement si brutal. Peut-être qu'il a compris qu'on vit dans un monde de merde. Et vous suivez ses devoirs ? J'en étais sûre. C'est de ma faute, c'est ça ? Non, c'est pas du tout ce que j'ai dit. Écoutez-moi, j'élève mon fils comme je veux. Vous vous occupez de lui apprendre des trucs qui lui serviront à rien. Moi, je me charge de lui transmettre des valeurs. Des valeurs qui lui permettront de rester un homme dans ce monde de merde. On est d'accord ? Pierrot, qu'est-ce que tu fous ? On te voit plus. Les sélections, je t'ai même pas inscrit. Puis en lui, c'est un truc de bolo, ces échecs. Quoi ? Attends, c'est quoi ces conneries ? Hier, c'est le seul truc qui te fait kiffer, et maintenant, c'est un truc de bolo ? J'ai plus envie, c'est tout. Tu joues plus du tout ? Non. Mais il y a bien une raison. Ça me dit plus rien. C'est trop con, Pierrot. Des fois, on a plus envie de jouer, mais ça revient. Tu sais quoi ? Je vais quand même t'inscrire aux sélections. Tu viendras ou pas, mais je t'inscris. Doucement, les gosses. Ta gueule. Vincent. 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 Tout va bien ? Ouais, ouais, c'est OK. Vincent.
moi. Pierrot, viens voir, viens. Regarde. Tu la connaissais cette photo-là? Oui. T'es rigolo, non? Celle-là, tu la connaissais aussi? Ouais. Attends, il y en a une, là, je suis sûr que tu la connais pas. Je sais pas où je l'ai mise. J'ai des devoirs, papa. T'avales ta langue bien. Ouais, donc je te disais. C'est comme toi l'année dernière quand t'es tombée. Ouais, c'est bon, vas-y, vas-y, arrête on avec ça. Arrête, arrête, on tu m'as dit. Vas-y, c'est bon, vas-y, ça. Regardez ça un peu. Non. Là, vu que tu filmais. Tu crois quoi? Putain, c'est une bonasse la Chloé. Hein. Mais grave. Super bien gaulé. Ouais. Elle fait pas semblant la cochonne. Hein. Une vraie ouais. Chaudasse. Putain, j'en ai un peu. Non mais tu saignes du nez là, viens. Viens, allez. T'es sûr? Pierrot?
Qu'est-ce que t'as fait là? Hein? Mais viens avec moi, on va payer tout ça. Allez, tiens, prends un mouchoir là. Tu le mets sur ton nez pour éviter que ça coule. D'accord? Si t'as besoin de quoi que ce soit, je suis à côté. Hein. Ok? Arrête avec ça. Thank you.
magasin, elle a dû aller au commissariat. Et ben mon voisin parlait aussi. Il est parti d'un bordel. Pour rien. Si je faisais mes devoirs, pour moi, ce que je pourrais aller jouer avec mes amis. On a plus que des psychopathes. Imparfait et conditionnel. Ils sont censés être tués, mais c'est dégueulasse quand même. Audrey, Joséphine, je peux savoir ce que vous avez à vous dire de si intéressant? J'attends. Bah c'est à cause de la vieille qui a été tuée, madame. La vieille? Dans la cité d'à côté, il y a une vieille, elle a été tuée pour lui piquer 80 euros. C'est... Ça fout trop là, madame, en plus elle était handicapée. Mais je comprends, mais on peut parler de ça à la fin du coup. Madame, faudrait les tuer ceux qui font ça. Découper en morceaux d'abord. Bon, vous voulez qu'on en parle? Oui. D'accord, alors je ne veux pas que ce soit un prétexte à du n'importe quoi, c'est clair? On lève le bras, oui. Il faut les mettre en prison et quand ils ont compris, il faut les laisser sortir. Comme ça, ils font du bien après. Non. Moi, je veux les... Il faut qu'ils sont morts. Hein. On recommence plus. Ça, c'est sûr. Vincent, t'as quelque chose à nous dire sur le sujet? Faudrait rétablir la peine de mort. Sinon, après, ils vont tout le temps à m'en sortir. Y a pas de mots. Il faut que je sorte. Je vais pas rester ici à me laisser abrutir de calme. Hein? Les papiers, t'as... Oui. T'as les papiers? Je vais m'occuper de ça. Hein? Et Pierrot? Pierrot, il va pas fort. Il mange pas. Moi, j'ai pas faim non plus, mais je me force pour qu'il mange un peu, quoi. Puis surtout, il dit rien. Fais attention à lui. Mais il est pas solide, Pierrot. Bonjour, monsieur Fumaroli. Oui, bonjour. Vous venez pour Mme Torres, là? Oui. C'est obligé maintenant, parce qu'elle n'est pas bien, là. Elle ne restera pas longtemps. Ah, nous souhaiterions aussi vous entendre à nouveau, vous et votre fils, pour vérifier deux, trois choses. Donc demain, 9h dans nos bureaux. Quoi, mon fils aussi, c'est obligé? Vous pensez pas qu'il est déjà assez bouleversé comme ça? C'est obligé, monsieur Fumaroli. Oui.
Dis-moi que c'est pas vrai. S'il te plaît. Dis-moi que je me trompe.